Pour info, quand tu as lancé une game, tu peux ignorer les messages en rouge. Ah ouais, à ce point, Chabra? Vas-y, bah si ça le refait, je te fais confiance. On le teste comme ça et crash la partie. Je crois qu'il y a un épisode. Salut Kin. Bienvenue mon gros. Je suis un joueur à 300 modes. Ah ouais, t'es ce genre de dégénéré, putain. T'es le dégénéré originel, gros. 300 modes, mais t'as quoi comme machine pour faire tourner ça? 300 modes. Juba, bienvenue. Oh, 300 modes. Non, non. Je crois que le max que j'ai dû faire, c'est... Ok, on va dire que c'était du Let's Go. Pas grave, j'aurais pas de petit stockage en plus. YouTube, le live. Pas de la merde. Romance on the Rim FR. Qu'on a rajouté. Oh, non, c'est ça, c'est pas du tout faction interaction d'ailleurs. Le mieux reste d'avoir le moins possible aussi. Oui, bah sûrement. 60, ouais. Ok, on en était où? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis perdu entre les deux saisons. C'est vrai, on avait fini cette pièce-là dans le dernier live. On avait nos trois salopards capturés. Je savais plus si vous m'aviez dit qu'il y avait un intérêt d'en avoir deux fois les mêmes. On a deux occulteurs. Elle est comment la saison 2 alors? J'ai rien suivi. Bah là, t'arrives comme si t'étais à l'épisode 2. T'as raté la première soirée, on s'est installé, tu vois. On commence à faire les chambres. Par contre, c'est que du minage. Oui, je me souviens, ça prenait un temps fou. On est avec Doc, Sunny, Spooner, Sarah, Renardo et Matt. Ok. On avait des quêtes à faire, des trucs à faire. Il y a pas un rempli de merveilles pour aller des arcs et des machins, je m'en fous. Le monolithe, ouais. Ok, vas-y, on va laisser tourner comme ça vite fait. Attends, faut que je... Ok. Partout la musique. Ok, ils étaient partis chasser des cerfs, des machins. On en est où, terme de bouffe? Ok, on a une cinquantaine de plats ici. Sarah et Matt n'ont pas de chambre. Là, j'ai pourtant un lit de libre. Okay. Ah, parce que Doc et Unis sont ensemble. Ok, ne me donne pas ça. Matt. Matt, tu viendras dormir là, gros. Coucou. Oh, j'ai hâte que la musique démarre. J'aime trop la musique d'Anomalie. Ils ont géré de ouf. Ah, on partait sur le frigo ici aussi, je crois. Ok. Ah. Oh. Ouais, bon. On va aller. J'ai que deux du coup en tireur là. On a le Rodden Gun? On a le Rodden Gun, il est activé. On va se diriger vers eux. Je sais pas voir où ils vont arriver. Vas-y, gros. Je vois pas. Je les ai perdus, ces bâtards. Je les ai perdus. Reculez. Ok, ils sont là. Ils arrivent par où? En bas. Je crois qu'ils peuvent être trop près de la base en vrai. Oh, joli. Un tir à mort. Bouger. Okay. Je vais épouser Cora moi dans une saison. Ok. Vas-y attends. Je vais vite éteindre en vrai. Ça me casse les bonbons. C'est le genre de connerie que je peux laisser s'aggraver là et. D'un coup, je me rends compte du subterfuge. Merde. Quoi? Pourquoi vous m'avez pas fini celui-là? J'en supplie. Merci. Ok. Par toi. Ça c'est gratuit. Ah, c'est l'ours qui chasse pour nous. C'est bon, on peut peut-être récupérer aussi les. Ils sont comment eux? J'en ai qu'un, l'autre a cramé. Bon, les autres ont cramé, ok. Donnez-vous, pardon. C'est mon cactus. C'est l'albatros. Désolé. C'est lui, Leonardo. Oh là là, vous arrivez tous d'un coup, les potes. Vous avez pas vu des os. Des os. Ou alors de produits exotiques. Ouais, bah venez. Aucun espèce de stockage, pourquoi? Il est daubé, lui, c'est ça en fait?
Prenez-le pas, laissez-le, 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 prenez-le. Chasseur d'impalement, distance mat. Mec, t'es pas mauvais, viens équiper. Équiper un flingue, c'est pas plus gros. Qui est notre commerçant? J'en ai pas, ils sont tous à chier, ok. Bon, peu importe, t'as un mec en bon état, doc, j'en prendra. Merci pour l'abonnement, Ousna. Merci, merci beaucoup. Là. Ok, merci. C'est lui d'ailleurs, oui, au passage. Il est pas abonné, toi, Cactus. Quel bâtard, celui-là. Abonnez-vous, il est pas abonné. C'est vrai qu'on a des ours. C'est vrai que le con avait décidé de garder des ours. Un choix particulier. Qu'est-ce que je pourrais te vendre? Reste assis, je m'en tape un peu pour l'instant. Pour te gratter un peu de monnaie, quand même. Les bouquins, je vais les garder. Je vais prendre que le plastacier. Non mec, casse-toi par contre. Ok, c'est vous, les carnes marchandes, on va le traiter. On a de la viande, mais j'ai peur que ça moisisse là d'ailleurs. Faudrait peut-être même... Je suis en train de faire le frigo. En vrai, je vais refaire notre frigo. Merci pour l'abonnement. Pyrone Siles. Excusez-moi pour l'arrachage de vos pseudos, les potes, hein, comme d'hab. La bégaye, vous connaissez. Mais ça marche pas comme ça la viande crue en vrai. Ça va faire 1 milliard de stock. Il faut absolument qu'on me finisse ce frigo. Qui est le mineur dans ce foutu colonie? Sarah, qu'est-ce que tu fous? Sarah, tu dors. À la bonne vôtre. Tyronoé, ok. Merci à toi mon gros. Deuxième mois, c'est vrai que c'est des deuxièmes mois. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Et merci Iba d'ailleurs, c'est Iba qui a fait l'animation là de l'abonnement. La petite bière qui tombe. Elle connaît bien son bonnet. Non, c'est Sarah que je voulais. Sarah, qu'est-ce que tu fous ma poule? Ah, tu fais aussi la cuisine? Ça m'arrange pas du tout, putain. Ah, t'es la seule à faire la cuisine. Je crois que Spooner peut peut-être se démerder. Ah ouais, mais du coup, t'es obligé d'enchaîner comme jamais. Je t'ai mis des plats à l'infini. J'ai mis des plats à l'infini parce que ça va au frigo, donc en vrai, pourquoi pas. Je vais foutre Spooner aussi à la cuisine. Ouais, Sarah qui cuit, Spooner qui découpe, ça me plaît bien, ça. Ah bah non, c'est l'inverse, du coup. Au moins, il passe la viande, il la bourre en plat et elle est pas gaspillée dehors. Voilà, tac, et là je vais demander... Mais tu vas mini où ma poule? Oh là là, non, attends, je t'en supplie, il faut absolument qu'on ait le frigo. Faut qu'on tire que les chambres, bon. Bonnet, t'es abonné à ta chaîne? Je sais pas. Ouais, je crois que ouais, quand tu ouvres ta chaîne, je crois que t'as un abonnement à vie, non? Qui te le dit à un moment, un truc comme ça. Ouais, vas-y, mange vite fait. Et ouais, voilà, parfait ma poule, merci. Vine, minage, j'ai pas vu. Mine en jaune, faut un berceau. C'est vrai qu'il faut un berceau. Putain, t'en as combien ma poule? Deuxième trimestre. Tiens, encore le troisième. Tant qu'elle est pas au troisième, je panique pas. Sarah de l'autre péter un câble. J'ai personne d'autre en minage, vraiment. Oui, j'ai d'autres glandus là. Go! Attends, Doc, je vais me finir là vite fait. J'aimerais bien avoir le frigo avant tout. Ah, merci, Doc. Ah non, c'est bon, il y retourne. Préparatif pour le bébé de Uni. Oui. Raquer dans le futur. Ça ne s'affiche même pas pour moi. Ah si. Il est troisième trimestre. Quoi? Et fermier aussi? Ouais, mais tu fais un peu tout quoi du coup. Ouais, merde. Ouais, forestier et fermier. Ouais, tu fais un peu de tout. Ouais, c'est un peu chaud, mais bon. Le coup, les chiens, je me mets à bosser au troisième trimestre. Je comprends rien, je vous laisse parler entre vous. En 6 jours, elle a couché. Easy, Gidus, easy. Par contre, là, il nous faut notre frigo pour hier, tu vois. C'est un peu ça le problème. Il y a déjà des trucs qui ont commencé à dober, ça va pourrir ici. Ils vont choper le cancer du sida du cul, là. Chier. Faites ça.
température. Hein, ça sera bien suffisant. Ah, ils vont tout me creuser, du coup, ouais, c'est pas grave. Le berceau aussi, d'ailleurs. Le berceau doit être pas... Il sera largement prêt. Tu vis toujours dans la peur, Cactus, c'est incroyable. Il sera largement prêt, gros. Qu'est-ce qu'il branle, lui? Ah mais oui, c'est une goule, Renardo, putain, c'est vrai. C'est une foutue goule, ce con. Bon, bah, en fait, moi, tout, du coup, après. Merde. Tu vas l'oublier, ça se peut. Un colon sans prendre à coucher, pas de soucis, on va l'envoyer. Voilà, tu vois? On aura vécu ça. Là, je prends soin quand même de nos colons. Ça va. Peut-être mes 10 ans. Non, mais ça bosse dur. Oh, non, mais on est bien. C'est du grès, par contre, on bouffe du grès. Oh, on s'en fout, on est en montagne. Tu butes ton gauche, je me sub plus. Je me sub plus, c'est-à-dire quoi ça? Je me sub plus. La faim en l'air de l'avers, c'est vrai? T'as faim, enculé? Ah bah oui, j'ai tout fait en plan, t'as pas gardé de bouffe. Oh merde. Eh ben, ah ouais, merde, bouffe un ours, putain. Attends, on va aller chasser une saloperie. Là. Là, tu peux pas le chasser, le lapin? T'es à chier, Renardo. Bam. Bam, et personne ne touche. Voilà, déguste. Putain, ça lui a rien donné. Ah, la goule qui bouffe un lapin complet, quoi, ça l'a... Saloperie, va. Une tortue. Il me fait chier. Zara, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma boule? Tortue horrible, nu, rejeté de Yuni. Ah, merde. Passe mal ta vie, toi. Toi, ça se passe pas super bien. Ma Yuni, en même temps, est déjà en couple avec Dox. Il est très sollicité dans cette saison. Non, c'est dans 10 jours. La quête dans 9 heures. Quoi, la quête? Déchargement toxique. Ouais, mais je crois qu'on le veut pas, ça. Des bouquins, qu'est-ce que j'en fous? Une arbalète neurotoxique, je m'en fous. De Liberfic, je m'en fous. Non, mais j'en veux pas. Ça me fait construire un autre congèle où je devrais mettre les trucs, parce que je sais pas si je peux mettre mes, les déchets toxiques dans le même frigo que je mets ma viande crue, quoi. Non, mais je m'en tabasse le fion. Une vie malheureuse, ouais, par contre, il serait peut-être temps de se faire un truc. Là, je vois que j'ai une table de couture en plus. Récolte de biophérite, super, incroyable. Ah ouais, on voulait partir sur ça pour aller chercher la foutue goule. Ouais, vas-y. D'accord, j'ai fait ça, mais j'ai demandé de trucs à personne. Ça, c'est incroyable, bonnet, bien joué. Demander un pantalon. Un t-shirt. Il va nous falloir une barboteuse, là, ouais. Salut, le cat. Bienvenue, ma poule. Oh, l'oiseau, okay, Weasel, le roi bonnet. Il y a ma goule où je rêve. Parka pour la suite et bonnet pour cet hiver. Petit chapeau de cowboy, on sait qu'il y en a qui kiffe avec le chapeau de melon. Allez, on va demander quoi? 5 chapeaux de melon, 5 chapeaux de cowboy, briquet, je veux dire. Un par personne, un en réserve. Parka à la même. Il faudra que je fasse compter les équipés et tout. Là, on s'en en veut qu'une. On peut en demander deux, on en a une d'avance en vrai. Attendez, je me concentre, je vous lis plus. C'est d'autres vies. Bam. Alors, uniquement ce qu'on... 31% de... Les qualités, on s'en fout, ouais. On peut les équiper. Non, la qualité, on s'en fout pour l'instant, ouais. Non. On peut les souiller, non. Évidemment que non. Toi, tu vas m'en faire deux, tu fais pas chier. Ok. Hein? Ah non, mais parce que... Oh merde! Oui, bah non, c'est très bien, vas-y, go. Ok. Qui s'en charge? J'ai même pas regardé. C'est une colonie incroyable. Est-ce qu'il fait bon dans la maison? Il fait 16 degrés, ils doivent avoir froid, les cons. Ok, ça, toi, tu descends direct. Voilà, moins 9. Là, on peut me nettoyer ce tas de bordel. Là, c'est dégueulasse.
ensuite, il faut que je fasse un truc pour qu'il taille de la pierre vite. Électrique. Électrique, je suis un animal. Ouais, les boss sont dehors, on s'en fout. Oh, ça va pomper sur les gênés, là. Hein. Faut absolument en fait que je fasse la recherche. J'ai pas de poste de recherche, d'ailleurs. J'ai un glandu pour aller à la recherche. Non. Non. J'ai Uni. Merci pour l'abonnement, L4. Ah non, pour 6 mois, t'as pris. Merci, ma poule. Grand merci à toi. Tu t'es engagé pour 6 mois, terrible. Ouais, il y a Uni qu'on pourrait mettre. Ouais, mais ce con, il va nous faire chier, là. Il va... Ouais. Ouais. Les scrolls, les subs. Merci les subs, merci Renardo. Je vais me faire remarquer, j'essaie d'y penser. On connaît Rimworld, hein. On est vite pris. Ouais, 3x3. Oui. Oh, on va peut-être pas faire le con. On n'en a pas besoin tout de suite, mais. Voilà, 31, ça me paraît honnête à chaque fois. Mon chou requis. Ça va être parti, mais attends, est-ce que j'ai un mec déjà qui fait de la couture dans ce bordel? J'ai personne, gros, ils sont tous éclatés au sol, putain de merde. Oh, c'est beau, ça, L4. ouais, ça va être dégueulasse qu'il va nous faire, Dox. Qu'est-ce que tu fais l'autre, Dox? Forestier, mineur, fermier. Des bonnes choses, hein, mais... Ouais, je vais te demander de faire de la couture, mon gros. Ah, chier. La chaîne ferme dans 2 mois avec les sous en poche, comme toute demeure arnaque. C'est exactement ça, Renardo. Casse-toi du... Un colon actif qui se la touche, Spooner? Mayol? Mais attends, mon petit bonhomme en mousse. Ah merde, j'ai mis ramasse pour tout le monde. Dégagez-moi ça, et puis toi, si tu veux de la construction, on va t'en donner, mon coquin. Aplanir. Mon gars, t'es parti pour 2 ans, là, si tu t'ennuies. Pas trop du boulot. Faut voir là que t'es surchargé. Oui, bah c'est un peu en ce moment, écoute. Ça va le faire. Il n'y a plus de place pour stocker mes milliards de tonnes de pierres. Continuez de bourrer ici. Des bruits bizarres. Les ours mangent mes plats, sûrement. Les ours ont l'air de manger. Renardo mange pas. Est-ce que Renardo n'irait pas lui chasser un mufalo? Oh, Uni a 2 points d'exploser, j'ai pas fait le lando. Oh putain, j'ai vu la petite icône. Oublié. Platé dans le truc là. Nickel, il faut que je fasse de la nourriture pour l'animal. Bam bam. Alors, ça sera la priorité par contre, mon ami. Répéter jusqu'à en avoir. Tire une centaine. 120, vas-y. Regarde. 120, ok. Et on va demander un deuxième frigo, ça commence à consommer comme jamais. Je vais pas m'en sortir. D'accord, je suis toujours bonnet. Et depuis un moment déjà, où toi, ça fait un moment L4. Hein. Sur YouTube déjà, ça fait quelques années. Et on va la bourrer là-dedans. Non, on s'en fout, en vrai, je vais la bourrer là-bas dedans maintenant. Et là aussi, en fait, je vais récupérer de la... Alors attends. Commence pas à paniquer, abruti. Ça va se passer. Là-dedans, stockage. Ça aurait été absolument importante. C'est bien. Tout effacé. On peut laisser le corps pourri, il va te faire foutre. Tous les aliments. Les aliments et on verra si tu m'emmerdes avec d'autres choses. Cadavres, mettre les carcasses d'animaux. Et... Ouais, enfin tu... Non merde, si ça oui. On verra. On s'en branle, c'est pas le plus important. Ok. Et -9, on est très bien.
On est très bien. Matt, il est en train de bouquiner là. Là, ça ramasse. Les ours s'énervent. Il faut que je passe l'électricité très vite, d'ailleurs. Il faut vraiment que je me mette un glandu à la recherche. Hein. Je Kim Jong Bonnet. Des boutins tout seul. À 9, oh, ok. Et là, il est où ce con? Il est mort. Pas du tout. À 9, à 9 quoi d'ailleurs? Il a 11 emmêlés, hein, cet enculé quand même. Il branle rien, il est là, il fait sa vie. Il nous sert à rien. 6,5 000 voitures. J'étais parti sur Nigro des eaux. Oula, j'aurais dû encore plus me coller à lui. Oh, ça va. Ok, cassez-vous. Tox, on va achever cet enfoiré. Transporte-le. Oh. Ok, et celui-là, personne ne le touche. Il est pour se pondre en ardeau. Il atteint sans rien faire. Il a pas bouffé dans le congélateur, tu vas me dire? Il est pas assez mort de faim? Je vous protège. Oh. Ouais. Ouais. T'es un peu là, t'es useless quoi, gros. On t'aime bien au village, toi, on te garde avec nous, mais. Tu veux quand on a une famille d'ours polaires pour nous protéger là. La petite goule. Goule affamée. Bah enculé, il est là ton machin, tu peux pas aller le bouffer là-bas dedans? Je le déteste. Attends, putain. On va enlever les carcasses d'animaux, donc toi, casse-toi. Il est parti bouffer maintenant, je le déteste, hein, je le déteste. Enculé. Personne ne t'aime, gros. Personne ne t'aime, putain. Vengeance de Mufalo, non, il est mort. Bande recherche nécessaire, oui. C'est vrai que ce serait une bonne idée pour y foutre quelqu'un quand même. Il faut absolument la géothermie là. Tiens. Ça va être très bien ici, en plein milieu de rien. Pour moi, le plus important, c'est vos chambres. Ils se sentent juste les génitales, les ours. Ça s'est touché les belles. Mais non, ils chassent rien du tout. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? C'est quoi? J'ai pas vu. Ah, ils sont mariés, pardon. C'est la fiesta du mariage. En mode, comment ça, ils travaillent pas, c'est con. J'allais leur mettre des coups de revers demain là. Ah, bien, on a même fait participer la goule. Considéré comme un colon, du coup si tu lui dis non, ça lui dit non aussi. D'accord, ok. Alors comment je fais? Comment je fais pour être sûr qu'il aille bouffer cet enculé avant qu'il me le passe en cuisine? Là, je suis obligé d'aller là, de mettre stop au dépeçage, on arrête de dépecer les bêtes ici. Je vous en supplie, c'est les ours qui vont aller le bouffer, j'ai envie de crever gros. J'ai envie de crever, on va l'éclater. Oh. Ça mon gars, ça c'est ce qu'on appelle du pognon. Et le kerge m'en tabasse, le métal aussi, du granit aussi. C'est pas à côté, mais ça c'est du bon pognon ça. Alors putain, attends, non, non. Sarah, oui, t'es où toi? Voilà, oui, toi tu chasses pas, hein. Faille pas m'accoucher le bébé sur les lingots d'or, je te raconte pas l'affaire. Renardo, t'es où? Tu veux pas aller manger, non? 51%, je peux pas le forcer à manger ce bâtard? Ah si, clairement si, pardon. Aussi con que ça. T'es full? Ok. Ben, fais ta vie. On va redébloquer quand même, on va pas faire les cons. Si on peut finir le Mufalo, ce sera pas mal. On va peut-être les renvoyer chasser d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'on veut flinguer? Ouais, ça. Ça se flingue bien. De la dinde, du dindon. Y'a pas du renard là? Non, dommage, j'ai pas du renard là. C'était du renard, c'est bon renard. Il droit. Moi je fais comme ça. Je l'oublie à chasser et à manger. Ah ok, tu peux carrément l'obliger à chasser. Ok, ok. La saison automne vient de commencer, d'accord. Le petit berceau est prêt. Le lit médicalisé dans la terre est prêt. Doc, si Unique remet ça, Unique a deux doigts d'exploser, gros, mais. C'est vrai que ça aide pour accoucher. Le bébé veut pas sortir, ça peut aider. Inspiration pour dressage, Doc. T'as combien, gros, déjà? Est-ce que t'as. T'as 3, gros, donc reste avec ton inspiration. Tout va bien se passer. Vêtements chauds, Rocky, ouais, j'ai peut-être demandé les t-shirts et les pantalons avant. Ah oui, mais oui, mais Doc, c'est bon, hein. Doc, c'est bon. Ok. Donc ça a déjà bien mec carburé. Il y a encore du cuir, donc il va pouvoir continuer. Il est fou le Redox, hein. Il vit sa baisse là, gros, a dormi dans le froid. Bon. Ça c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant. On tient avec ça. Just. Et cabral. Bon, je vous laisse. Des bisous mon pampas. Bosse bien.
Et ça mine en même temps là-bas. Un peu arrêté. Oh là, ça c'est du pognon en masse. Hein. Là qu'on avait un ours pas loin, il a pas fait des ravages là, il y a un warg. Ouais, le warg il gamelle lui à chaque fois. Je suppose. Il va me prendre un glandu en chasse, là je vais être dégoûté. Ça va plutôt bien se passer, un truc de vaisseau à démonter là. Hein. Ok, là c'est les potes qui chassent. Ok. Non, on est plutôt bien. Ça a l'air plutôt bien se passer pour l'instant. Le poste de recherche est fait. Mais par contre, du coup... Ouais, t'es parti chasser avant. Et tu veux faire la construction avant et ça... Non, 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 ouais, non. Je suis désolé, juste la chasse, je veux bien. Crash d'une navette, ça c'est cool. Il y a des petits cons à récupérer, oui. Alors. Nana, 23 ans, néandertalienne, 5-6. Tendance toxico et travailleuse. Oh, c'est pas mal, ça. Pas mal. Tendance toxico me... gêne un peu. Allez, on va... pas l'abandonner celle-là, mon pote. Elle est morte dans 4 heures. Elle est morte dans 4 heures et Uni va coucher en même temps, c'est sûr. J'ai pas de prison. Si, j'ai une prison. Ici, on a une zone ici, ok. Kinodoc. Navette, ouf, Nandertalien. Nandoc, c'est Uni. Docs. Ah, Uni qui va faire son propre accouchement. On est dans une belle merde. Pas pour Sarah. Non mais Docs, Docs, je vais avoir besoin de toi gros. Vite sur elle. La stabiliser. En plus t'étais pas loin en train de chasser. Waouh, super. Bonne nouvelle. Et Lucia. Lucia, 23 ans, elle est agile. Donc, ça se prend direct ça aussi. Ça se prend direct. Là par contre, Spooner, tu peux venir me capturer. Lucia qui va pas mourir tout de suite. Docs, essaye est-ce qu'elle se relève pas et qu'elle te patate pas la bouche. Uni est dehors. Ouais. Ok. Capture maintenant, mon gros. Ça, on s'en occupera plus tard. Il faut absolument qu'on sauve l'autre. J'ai demandé à Uni de venir le soigner en urgence. Je pense que ça passe. Hein. Oui, 15h, ça passe. Ok, merci Uni. Et c'est pas mal du tout, ça, c'est pas mal du tout. Oh, ça nous ferait deux très bons gars, là. Hein. Peut-être falloir leur améliorer la prison parce qu'ils vont se foutre sur la gueule là. Faut que je leur mette un petit truc à jouer. J'ai l'autre qui va accoucher. Je suis en train d'installer des tables d'échelle pour les prisonniers, moi. Ma vie. Je vais y rester. T'inquiète pas, si tu lances la naissance, elle revient au lit. Toujours Sarah qui dort au milieu du salon. Un peu chiant. Là, là. Ah, ils ont bientôt fini les sols. Les sols, c'est le plus rapide à faire. Ils peuvent pas chasser tout en même temps, ça va, toi tu te démerdes, bah bon, démerde-toi. Ah, chasser n'est plus... Ok, les deux sont pleins qui sont... Enfin, peuvent marcher. Tu finis en masse, là, Spooner joue un peu. Uni, elle reste au lit. On va... Maladie, infection. Et c'est pas elle, mais par contre, on va mettre... Ouais, on a du bon médoc. On va la mettre en bon médoc. Uni. C'est avec elle. C'est un grossiste. Ils sont en train de chasser en même temps. Ça m'a fait paniquer. Ah ouais, tu veux me la full soigner. Ok, infection légère. Ça devrait le faire. Je pensais avec un gros. Non, mais arrêtez de la bourrer de gros trucs là. Vous me cassez les bons. Là. Il est où le grossiste? Arrive. Ok. J'en ai eu du bois? Sans le cul. Sans le cul, Dox. Bien bourré là-dedans. Ni. Il monte déjà, ok. Désolé ma poule. Tu veux pas accoucher toi, parce qu'on serait débarrassé quoi. Dox. Bien marchandé. Est-ce qu'on a l'or maintenant? Ouais. Là, je t'enfile 147. Non. Ça passe. Ouais, ça passe. Qu'est-ce que je peux t'acheter? Déjà des ours, hein. Et un élevage serait intéressant. Je suis dans... On vendrait 117. Ouais, ça fait pas énorme.
Des herbes. En synthé. Ouais. On va lui prendre un peu de pognon, ça va nous faire du bien. Vraiment, on a un marché plus intéressant. Là, je veux bien qu'on me le range. On peut le mettre ici. C'est pas un soin, faut que je marque c'est dans quoi déjà. Ouais, médicaments. Ah, mais merde, il y a aussi les trucs. Drogue. Brut, matière végétale. Okay. Ok. On va tout se mettre au frais pour être sûr de pas faire de conneries. Ça va cliquer sur l'or et ça là. Oh merde, pourquoi lui? Non, non, mais ça reste ici, ça, je sais pas pourquoi vous me faites chier avec ça. Ok, des trombos, c'est-à-dire, en parlant de boule de poils. Ok, bon, on va pas s'en occuper. Eux, ils sont là, mais je te dis, on va pas récupérer leurs vaches, mais ce serait intéressant. Un petit élevage, ça nous coûterait de la bouffe, on n'a pas de foin. Non, non, c'est galère, c'est galère. Galère, casse-toi de la porte, Leonardo, mais quel connard! 1,8, ça va. Oh, il est con, hein, il est con. On n'est pas aidé avec celui-là. Ben, ça, on peut me le supprimer. On économise un peu d'électricité. Oh, ouais, j'entrerai pas dans mon sens, on s'en fout. Okay. Mange-moi ça par contre. Oh, je crois que j'ai oublié nécessaire. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Oh. Eh ben, on n'est pas dans la merde, mon pote. Hein. Après, pas de tombeau avec Dox. Non, il a que 3, gros, il pourra jamais. Même si je le mets en. Ouf. Encore le même d'ailleurs. Donc il se réveille. Il est trop bas, il a que 3 en animaux. En animals. Mais ma trombose, qu'est-ce que j'en foutrais, putain. Donc si tu peux. Non. Je peux même pas lui demander. D'ailleurs. Ah parce que je vais pas demander de. Oui, pardon. Quel restaurant peut apprivoiser votre trombeau? Mais bien sûr que si Dox. Eh non. Dommage. Bon, le Dox. Hein. Pas encore assez de choses. Tu me vends. Ouah. Ouais. C'est l'aspiration. Uni qui garde son enfant bien au chaud, qui nous fait de la recherche tranquillement. Waouh. 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 Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, Sarah se fait poutrer le fion. T'as 7 en. T'as 7 en machin? Pourquoi t'es en train de t'enfuir? Eh non, bah cool, hein. On va se bagarrer jusqu'à la mort. Hein. Hop, non, alors pas Uni par contre. Faut pas déconner. Et ensuite, on se prend un raid. Ils sont que deux, les clodos, là. Qu'est-ce qui branle le Ronardo? Ouais, bon, écoute, il va peut-être les régler. Oui, oh, il va se faire régler, je pense. Ils sont bons. 0 en tir. Ouais, il est pas mauvais. Ok. Viens là, toi. Alors commençons par ça. Tu as le. Faut que je passe en run and gun, ma poule. Ah putain, non, ouais. Fais pas le con, Doc, je t'en supplie. Oh putain. Ok. Il se prépare, ok. Allez, termine-moi ce con. Et les phases de vitamine. Okay. Là, si vous voulez vous soigner, ça, on le ramène. Oh. Et les glandus, ils sont où? Ils sont là. Ils attendent là, ça nous va bien. Je peux utiliser le Renault comme cible pour monter mon tir. On a le truc, on a le mode d'entraînement, on va le mettre d'ailleurs après. On a trop de choses à faire en vrai. Lance de lingue, casse-toi, saleté animal. Ouais, bah les sourcils foutent un bordel infini. Ouais. Leonardo, j'étais toujours. Pardon. Je retourne par là-bas, gros. Ok, ils attaquent.
Va me prendre tout le monde. Je prends pas une balle perdue, juste appeler Uni. Ok. Merci. Flinguez pas le renard, s'il vous plaît. Ok. On a mis du temps à le tuer, il était solide lui. Il est éclaté au tir, le pote. Ok, Renardo. T'es pas mort, donc c'est le principal. Ça, c'est cool. 16. Dark, on s'en tape un peu. Et toi, Feu, tu vois quoi, gros? Ok. Oui, c'est Dantine le fion, j'adore ce mode, oui, j'avoue. L'animal, distance le sable, on s'en fout un peu. On fout un peu. C'est qui les sprinters là? Les sprinters Suga, c'est qui eux? Ouais, ils sont hostiles, donc ça sert à rien. Termine-moi cette saloperie, Renardo. Ah, il s'enfuit pendant que la goule le tabasse derrière. Il est bon social au moins, ouais, non. Ah, c'est pas... Merci, Renardo. Tu peux éteindre le feu? Non, peut-être pas. Hein. On va refaire des petites tombes là pour pas que vous pétiez un câble, les potes, par contre. Ok. Plutôt bien géré. C'est vraiment le stress. Doxini qui arrête pas, mais ça veut pas sortir. Uni des eaux. On est pas mal, on est pas mal. La construction, je suis un peu en retard par contre. 12 lasso. Ouh. Oh. Ses habits avant, j'aurais dû, j'avoue. C'était ouais. 12 lasso, comment je fais ça? C'est avec quoi? Fabriquer un lasso, c'est 40 de tissu. Non, ça me fait beaucoup trop. Je vais pas pouvoir la faire celle-là. J'ai besoin d'habiller mes mecs. Hein. Faut qu'on ait tout. Il manque encore des parkas, des bonnets. Le chapeau, c'est pas le plus urgent, mais non, non, ouais. C'est intéressant, mais c'est trop, ouais. Trop cher, les lasso. Pierre Wave lasso, incroyable. 480 tissus, ouais, mais je l'aurai jamais. Du tissu, tissu, hein, ouais, il le fera pas en cuir, ouais, donc non, ouais. Laisse tomber. Oh bordel, Unicorn est en travail. Un colon notif. Unique, ça touche. Super. Doc sera malheureusement le docteur, putain. Et tu t'entends bien avec des gens un peu, Uni, ou Doc, ton docteur? Est-ce que tu veux des copains avec toi? Ouais, tu veux Spooner? Tu veux aussi Sarah, qui est en train de crever? On va éviter d'inviter Renardo, j'avoue. Et tu veux Matt aussi? Bah écoute, on va te faire ça bien. Tout le monde sauf Renardo, quoi, évidemment. J'ai envie d'avoir une goule quand t'accouches. Ah bah je peux même pas la mettre, la goule, de toute façon. Pensez. Oh. Allez. En vrai, t'as le temps. Vive la nudité. Si mon trou Renardo. Va dévorer le bébé, je vous confie. Ultra à l'aise, tu sais. Le bébé abandonné, tout le monde se casse. En face de Renardo, casse-toi, gros, je t'en supplie. J'ai peur. Est-ce qu'il peut? Tu peux manger le bébé? Non. Il peut le tabasser. Tu peux le tabasser? Ouais, il peut le tabasser. Sarah. Non, qui sera la nourrice? Ils sont tous nuls. Ce sera Sarah. Sarah, je t'en supplie, mets ce bébé là, en lieu sûr. Amener à la mer pour allaiter, oui, voilà. Parfait. Renardo, casse-toi, je t'en supplie. Casse-toi, Renardo. On a joué avec toi, là, j'avoue. Et t'es sage, casse-toi. En bonne santé, naissance d'un enfant. Alors, attends. Je fais quoi, là, du coup? Parce que moi, à chaque fois, je fais reporter.
Et ces petits bâtards, après, on peut plus les renommer, c'est un enfer. Tu rentres sur les lieux, non. Prénom du bébé, du coup. Respecte mon gosse, là. Ce streamer. On l'a respecté, gros. Il est dans tes bras, il est en train de rouler au pied de ton lit. Je sais pas ce que t'en as foutu, d'ailleurs, là, Yumi. Le prénom du bébé. Prénom. Quel nom tu veux lui donner, Yumi, à ton gosse? Vas-y, moi. C'est Yumi qui décide. C'est son gosse. Mère, c'est Ina Unicorn I de le live. Le père, c'est Dox. Bah, Dox aussi, t'as ton droit de vote d'ailleurs. Pas pour Cactus. L4. Comme ça, je pourrais mettre des baffes, c'est vrai. Donc, ce sera surnom. Voilà. Alva Cactus I. Bienvenue à toi. Regarde déjà comment on te respecte pas. Personne t'a mis dans un landau, tu traînes dans les pieds d'Uni qui te met des petits coups de talon dans la tête, là. Cactus est une fille, oui, Cactus est une fille. Et Cactus lui-même ne sait pas trop si c'est un homme ou une fille, donc... Le fusil à pompe, je donne... La meilleure idée non plus que vous ayez les potes, là. Je sais qu'ils ont pas l'air très agressifs, ces petits prisonniers, mais... Ah, ça c'est emmerdant. Eh oui! Eh oui! J'espère qu'il va mourir très vite. D'accord, merci, passe vite à une de ton intervention. D'accord avec la mère. De toute façon, ouais, j'avoue que Dox était trop lent sur le coup. Ok, donc on a des prisonniers qui se sont retrouvés avec un fusil à pompe sorti de on ne sait trop où. Et une équipe de bras cassés en train de dormir. Attends. Voilà, déjà. Leonardo, tue. Lui, ils l'ont désingué. Go. Ok. On se calme, on se détend. Tout va bien se passer. Yuni. Capture. Non. Capture, j'allais faire ça à Renardo. Renardo, fais ta vie. C'est le pompe de Yuni. Ah, quand le bébé est sorti, elle a lâché le pompe par terre. Bam. Une balle est partie dans la serrure. Ça l'a pété. Du coup, ils ont été bons aussi, les gars. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils vont canner? 7 heures quand même. 3 heures. T'es sur H, toi, gros? Eh ben, nickel, vas-y. C'est beau, par contre. Est-ce que Yuni aurait pas essayé de nous la foutre à l'envers, surtout, en vrai? Il faut du bois. Yuni, il faut du bois, je t'en supplie. Il n'y a plus de bois. Est-ce qu'on est dans la merde? Ça devrait aller. On en forêt tempérée. Calmons-nous. Les cadavres de ces deux cons. Les tombes ont été construites. Uni, viens rééquiper ton fusil à pompe, je t'en supplie. Mais gardez ton arme. Ton arme secondaire, merci. Ok. Au feu, on s'en fout. Les forestiers. Ah, c'est Sarah. Sarah. J'ai pris pour des bonnes stats. Occulteur découvert. Une abonnée de la créature est sortie de nulle part. C'est qui lui? T'es qui toi? C'est juste un clodo là qui traîne dans le coin? C'est un mec que je peux capturer? C'est un mec qui se fait pourchasser? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend. Qu'est-ce que c'est que ça? Une veste en tissu médiocre. Prends. Et toi t'es quoi? Un occulteur? Ça vaut le coup que j'en prenne encore? Je veux une chambre, je taffe trop. Où ça va? On s'en branle dans de l'occulteur, là j'en ai déjà deux. Personne pour s'en occuper parce que j'ai pas assez de monde. On va juste te désinguer. Et toi on te veut, t'es qui toi? 5 ans PL, 14 ans d'artisanat, bonne mémoire, cancre. Ah merde. Eh, on n'est pas des animaux. On va venir te secourir. Une île va venir te... Pas le stabiliser ma boule. Ah si, stabiliser. Putain, je voyais rien. Le stabiliser, il est où l'autre con là? Il est là. On va laisser Sarah un peu tranquille aussi. J'aimerais pas qu'une île tombe devant, tombe dessus avant. Il est où?
Je l'ai perdu. Oh, je l'avais perdu. J'ai jamais vu. Ouais. Ah, Yuni, elle passe à côté. Tabasse le fion. Ok. Tu remmanes Yuni. Ah. D'accord, ma poule. Pourquoi? Bien accouché, tout va bien. Grosse faim. Dans le froid. Maria Dox, plus 40. Un passager, esclave, je sais pas. Ouais, je sais pas qui c'était ce mec. Regardez s'il a une faction. Non, il avait pas de faction. Il s'est revenu en... Ouais, ok, j'ai capté après. Alors, Ronardo. Non, Dox. Viens. Stabiliser Sobolov, tu vois. Indépendant, sauvageon. Juste un sauvageon, ce con. Diabloïde. Mais il a une bonne mémoire, il est cancre. Et il est indolent. Mais non, mais en fait, on s'en fout. Pourquoi je vais aller le sauver, ce con? Pyromane en pleine tempête, j'avoue, merci. Ça, c'est gentil. Non, non, mais... Cassez-vous, hein. Non, non, mais casse-toi, mon Dox. Hein. Non, mais je veux juste... Oh! Le Dox, on s'en fout de lui. Autre chose. Ah, putain, tu le veux vraiment? Ah non, tu vas, pardon. My bad. J'ai cru qu'il voulait sauver un homme. Pardon. Allez, salut, hein. Il s'est bouffé par un rhinocéros, terrible. Bah, Yuni, éclate-toi. Et Ronardo, Ronardo, est-ce que tu... t'aurais pas envie de venir... On peut pas, je peux pas lui faire manger directement. Ronardo, il a besoin de se tabasser un peu. Faut qu'on le garde entraîné. Viens l'attaquer. On regarde pas, on sait pas ce qui se passe en bas de la carte. C'est intelligent, ça te saurait. Ah, c'est intelligent, tu vois, tu pètes un câble, mais modérément. Viens le consommer, gros. Viens bouffer ce salopard. Ah, regarde-toi, fais ta vie maintenant. Meurs pas, c'est tout ce qu'on te demande. Ok, ça c'est à recharger, mais il faut quand même qu'on coupe du bois. Mais le problème, c'est que j'ai plus de forestier, quoi. À mettre des mecs un peu partout. Water. Ah oui, parce que tu faisais des docks. J'étais... Oh là là, la vache, il faut vraiment des gars, là. Mais on a personne pour recruter. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent chez nous? Ils nous détestent. Non, Yuni l'aime bien. Ah, Yuni, il la kiffe bien, Yuni. C'est Yuni qui fait joli? Non, bah arrête ça. Hein. Ils ont une préférence pour Yuni, apparemment. Ok, ça avance très lentement aussi, ça me gonfle. C'est qui mes constructeurs? Dox? Dox, c'est ça, non? Spooner. Ah ouais, mais Spooner fait aussi la cuisine, du coup. On va le remettre en deux, mais du coup Sarah va se remettre à fond sur la cuisine. En vrai, il n'y a plus rien. Il y a des plats encore, ils ont de quoi bouffer. Je vais pas me stresser à les chasser. Yuni, elle s'occupe du bébé, c'est bon ça. Oh merde, tu dormais, gros, pardon. J'ai pas vu. Ah, tu m'en veux pas. Hein. Merde. Je suis obligé de faire ça. Faut absolument que Sarah aille. Sarah, elle est éclatée au sol, gros. Elle est éclatée encore, Sarah. Et oui, putain. C'est un petit propos à la chirurgie pour Yuni. Non, mais ça va, ma poule, t'inquiète. Et qui était bon en social était un traître. Rangez le pognon, les potes, là. Et bah, Sarah, repasse ça, tiens. Il manque triple. Stockage, pourquoi? Pour le pognon? Comment ça? On peut pas mettre l'argent ici? Qu'est-ce qu'il me raconte, son cul? Pourquoi? C'est complètement con. Ok, c'est chaud, mais écoute. Ok, Matt est sur la construction aussi. Ça avance, une fois qu'ils auront chacun leur chambre, ça ira mieux. Mais là, j'ai pas fait les seuls en plus. Oh, bordel. On est mal barré. Vous êtes encore plus de 20 quand même, vous êtes 22 là en ce moment. Merci à vous les copains, ça fait plaisir. On a combien de temps de même? 1h15 déjà. Ok, t'en as encore pour longtemps mon Dox. Il est dans les parcas ça prend un temps fou, mais une fois que ce sera fait en vrai, je vais pas mettre ça. On va mettre juste les bonnets. Il y en a déjà deux de fait.
crois que je vends des vêtements d'enfant après, mais je crois que j'ai le temps, ça prend le temps. Intérieur, on a 7 degrés, hein. Vraiment, on se les cagne. Hein. La recherche avance pas du tout. La recherche avance pas du tout parce que Uni fait énormément de choses aussi. J'ai besoin d'un forestier quand même là. Uni est couché quand même, donc oui. Essaye de recruter. Ah ouais, mais tu fais ça aussi. Merde. Les deux qui se foutent sur la gueule, c'est con, vous travaillez ensemble. Ils sont genre mal ou. Non, mais ça, faites pas chier les potes. Hein. Je me suis raté. Ah, j'ai plus quoi, putain. Y'a rien qui va. Allume les radiateurs. Le problème gros, c'est que j'ai pas assez d'énergie. Il me reste 415. Là, si je mets des radiateurs, ça va pas tenir longtemps. Ça alimentera jamais tout le truc. Ouais, en 3, donc je peux même pas laisser mon frigo ouvert. Mais casse-toi, l'ours, casse-toi, putain. Ouais, ça va, ça les tient quand même la porte ouverte, hein. Ouais, ouais, bon. Qu'est-ce qui branle, Spooner? Qu'est-ce qui branle, Spooner? Pourquoi il est dans cet état? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Un truc, c'est les... Oh, merde. Mais Yuni, tu peux le soigner? Il m'a pas... Ouais. Il en a perdu son arme et tout, quoi. On va demander ça pour plus tard, mais on est mal barré, je sens. Je crois qu'on est mal barré. J'ai plus de bois. Sarah, elle fait quoi là? Ah putain, on est toujours sur l'or là-bas en bas. Ah ouais, mais ça fait tellement de pognon. Une mine vite après. Condours aussi. Le condours, putain, il dort dans la porte. Supportable. Faudrait peut-être aller chasser d'ailleurs. Ah bah regarde ça, putain, du pain béni. Allez, on bouffe les alpagas aussi. Oh, on pourrait faire un élevage, oh putain. Oh non mais ça, ah, non, je sens qu'il faut aussi la chasse, j'en peux plus gros. Arrête la chasse, ma poule, je t'en supplie. Non, d'ailleurs, je vais te mettre un... Ah, tu vas péter un câble, mais écoute. Dans le fond, c'est que tu nous aimes. Après, on est débarrassé. Allez, c'est un mauvais moment à passer sous la pluie. Oh, pas mal ça, la petite capsule de cargo pour... Ah oh, oui, oui, on est très content pour un bandeau là. Ah oh, oui, putain, ça va nous sauver ça. Orlando, il est toujours en stand-by ici, mais on m'a fait ta vie, gros. Allez, tiens le coup, Sarah, tiens le coup. On va voir Orlando les chasser. Il va les bouffer, ce con. Allez ma poule, tiens le coup. Ouais, cadence à baisser. Hein. Et merci Sarah. Bon ça, il n'y a pas d'espace, mais qu'est-ce que j'ai branlé dans mon truc là? Mettre tout ça, qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai chié dans la... Ah oui, j'ai mis... Le... Non mais c'est le bloc de pierre aussi, oui, oui, oui. On voit bien qu'il me faisait chier avec tout ça là depuis tout à l'heure. Vérifie tes ressources. Que je vérifie quoi? J'ai 200 d'or. J'ai pété gros. Faut vraiment qu'on le vende très vite cet or. Ça va nous attirer des gros problèmes. Des très gros problèmes. Alors Sarah, elle récupère de... du seul moment que je viens de lui faire passer. Une, elle s'occupe du gosse, donc pas du tout de la recherche. Eux, personne ne s'occupe d'eux non plus. Ils m'ont l'air heureux, la pluie s'est arrêtée. De 11-2 à 10-6, ok c'est pas mal Uni. Allez, pote, faut que ça avance, je vous demande plus d'ordre. Là, faut juste me couper du bois. Voilà, merci Sarah. Doc, c'est fini. Oh merde. À cause de mauvais cuisiniers. Salut Ludo, bienvenue mon gros. C'est bon, problème réglé. Ok.
Ok, c'est bon. Ça va récupérer un peu de bois. Ils m'ont ramené tout l'heure, ils m'ont ramené tout l'heure, ils sont en train de chasser les biches. Ok, on n'est pas trop trop mal. On n'est pas... Putain, on est mal. Non, ça va, c'est juste du bois. Il est expiré, ouais, ouais, ça gros. Tiens, je suis en galère là. Mais chargez-les-moi à fond. Putain, c'est tellement pas rentable, ça me bouffe une conso, ça. Ils sont remplis là. Oh, tu t'es foutu de moi, Matt. On est le deuxième. Bon, on a 3-4 jours d'avance, là ça arrête de débrancher rapido. On a beaucoup de bois, genre. Qu'est-ce qu'il fout, Dox? En train de vomir. Vas-y, gros. Et après, il va au lit, ça me va. Nous, on a 0 bois d'avance. Hein. Celui qui est coupé là. On va au moins faire des lits. On va commencer tout doux. Après, on va demander l'aplanissement des sols dans les chambres. Ici. Voilà. On va mettre aussi les ventilations et tout. Là, j'ai tout cramé, je m'occupais de l'or. Ah, tu me diras, regarde, ça tient en vrai les deux. Ça tient, ça tient. Et on chauffe. Et on chauffe pas trop mal, hein. Bonne info, bonne info. Plus de culture. D'accord. C'est que oui, ça. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. Oh non, ça me fait chier. On en fera plus tard. Ou bah faudrait peut-être me mettre ça assez rapidement. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, les autres coupent les armes pendant ce temps, ça c'est parfait. Dès qu'elle aura fini de faire les trous et de mettre les trucs. Je pense pas que les deux chauffent. Ah, ça monte jusqu'à 20 degrés en vrai. Peut-être que dehors il fait 6, non, ouais. Okay, ça bosse bien, ça bosse bien. On arrive à chef-d'œuvre. Oh, bien joué ça. Les chefs-d'œuvre, ça pour Sarah parce qu'on lui en demande des tonnes depuis le début là. Il dormait à la Wallagen dans le salon. Personne dresse nos ours. Ah non. Et eux ils se multiplient, gros. C'est dégueulasse quoi. On commence à bouffer des tonnes. Renardo toujours coincé dans la porte, bon de toi. Intérieur 0 degré, non là par contre vous êtes en train de me faire perdre des trucs. Cassez-vous là. Ah c'est juste parce que j'ai pas mis le mode... Ah et puis là c'est chiant pour faire un... Oh my god. Des seuls au moins pour la cuisine. Non non en gros là il n'y a rien de définitif. Là on a fait le frigo, je pense qu'on va bourrer la cuisine par là mais on va faire des trucs au fur et à mesure. Là, on est que sur du dépannage. Mais là, je veux au moins qu'ils aient les chambres. Une fois que t'as les chambres... De colère pour Dox. Pourquoi Dox? Pourquoi des crises de colère, mon Dox? Qu'est-ce qui se passe? Environnement déplaisant. Comment ça? Romance satisfaite. Alors. L'amour et ma richesse. Oh, c'est beau. Oh, mais quel lover, ce Dox. Qui peut te calmer? Personne, tout le monde est à chier. Sauf Yuni qui commence à prendre des points. Mais calmez ton homme, Yuni, s'il te plaît. T'as raté. Spooner, mets une tarte juste. Ok, après un spooner monte, je suppose, sa construction. Exactement. Dox monte sa mêlée. Non, dommage. Au moins, spooner s'améliore comme jamais en construction. Des points gratos, voilà. Un farm infini, voilà. N'hésitez pas si vous avez un conseil, je suis là pour vous. Reste tes ours pour faire du transport free. Gros, je te le redis, c'est comme pour tout à l'heure les trombos. J'ai personne en fait. Tous nos gars sont éclatés en machin. C'est 3, c'est machin. Il y a quand même Uni qui est censé s'en occuper, mais c'est pas assez haut, je pense, pour dresser les ours. Et on n'a pas le temps, en vrai. On n'a pas le temps. Continue, on est bien. Peut-être un level 15. Non, peut-être pas, mais... Ah, non. T'as lâché l'affaire. Désolé Spooner, faut que tu restes jusqu'à l'infini. C'est trop gentil, il supporte même mon aigreur le pauvre. Pas trop, pas trop. Et là ça fait à peu près 8 heures d'affilée qu'il s'acharne sur cette porte avec mon fusil. Spooner a deux doigts de péter un câble. Non bah laisse tomber gros, s'il veut la détruire il va falloir qu'il la détruise. Ou alors...
Mets-lui un coup dans la tronche. Ah non? Oh, ça me fait chier, Dox. Assomme-le! Je crois qu'elle va me le tuer. Spoonhead va me le tuer. La santé, la connerie. La santé, la connerie. Moi, j'ai trop peur. Le procédé Dox s'échappe. Non, mais... ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Écoute-moi, j'en la bouche, y'a rien qui marche, donc c'est une machine. Je le libère direct. Oui, c'est bon. Fais-le pas. Spooner. Regarde ce regard, regarde le regard de Spooner, gros. Ah non, quand même, il lui fait un allez, ciao. Ciao, ma salope. Je t'ai cartonné, ciao. Capturez-le. Ça fait très mal se passer pour mon Dox. Venez, libérez. Duni. Tu veux pas le... Je veux pas achever Dox. Prends du relis Dox. Aucun lit pour prisonnier disponible. Mais je veux pas... Non, stabilisé. Il est dans quel état déjà? Pardon, pardon. Excusez-moi. Vas-y tout seul. On peut me le sortir de là, le Dox, là? Mon joli, c'est bien uni, oui. Et Dox, je l'ai mis en liberté. Ah, mais parce qu'il est, il est handicapé. Pourquoi il est en gros médoc, ce bâtard? Malnutrition. Oh putain, fais-vous lui. Fais-vous lui, putain, je comprends plus rien. C'est lui, Biscus. C'est lui, mon gros. T'arrives au bon moment. J'ai buté un colon. Tout va bien. La quête expire, tout le monde s'en fout. Casse-toi, Doc, c'est devenu fou. C'est bon. Il est maîtrisé, il est avec les prisonniers. Il va se faire. Surbaptiser, comme on dit dans le milieu, quoi. Les os, gros. Les potes énervés sur cette foutue porte, là. Je pense que le coûter un fric fou à faire. Tu vaut moins cher qu'une porte, bon, on va pas se mentir. C'est bon, il est libéré, il est là, il est heureux. Oui. Tout va bien, Uni, tu l'as récupéré. Il a fait un petit tour en cellule de dégrisement. Tout va bien. Ok, qui dort comme un clodo de l'espace? Personne. Deux lits pour deux mecs. Enfin, les deux prochains. On est bien. On est bien. On est bien. Dox, par contre, tu vas aller dormir avec Uni après, hein, je suppose. Ou Uni, t'as mis une sauce, gros, tu dors dans le salon parce que... te bagarrer et finir en cellule, ça lui casse les bonbons, quoi. Ok, merci. Elle est morte. Mais non, elle est incroyable. Rien de ça. Elle est trop belle. L'ours, putain. Il me faut des marchands. Il me faut des trucs. Il me faut des gens, en fait. Il me faut des gens pour avancer. La nourriture pour bébé, c'est pas infini. Hein. Enfin, ils ont du mal. Hein. En même temps, j'ai rien. J'ai rien. Ouais, putain. Vraiment que je le vire de... Enfin, vraiment que je vire Spooner de la bouffe. Hein. Il est en train de rendre tout le monde malade. Bah non, il est au-dessus de Sarah. Bah je sais pas, bah crever, crever, crever de la chiasse. Désolé. On en est où, Uni? Il faut absolument que tu me recrutes ces deux salopards. C'est long, oh mon dieu que c'est long. On va se barrer. On va se barrer. J'ai une idée. Il va dormir avec la goule. Est-ce qu'on est copains avec les violets, là? Les traités de débat. C'est quoi, eux? Les traités d'étrangers pacifiques. Ok. Est-ce qu'on n'enverra pas une petite caravane là-bas? Accepté. Les ours portent rien. Allez vous faire foutre, les ours. Mon ours. Là, ça fait combien, alors? C'est lourd, ça, je suppose. Genre, une 9 kilos? Non, ça va, en vrai. Ça va, on peut envoyer... Sarah? Non. Matt? Matt. On peut envoyer Matt. T'as pris 2-3 trucs, tu te sens chaud, go. Non, je vous regarde pas, c'est une première, j'en suis sûr. C'est mon Greg, bienvenue, gros. J'envoie ton père avec le renard si tu feras les pieds. C'est du taf. Ah, t'es au taf, là? Enlève un lit prisonnier, des soins, sinon il y a un qui peut pas dormir. C'est audio, c'est fait. Super léger, alors. On va savoir la logique. Ouais, j'ai pas compris. 8 grammes, j'ai fait ok. Sympa. Ok, les chambres vont être finies, enfin, finies. Ils ont... Voilà, ils ont des jolis murs, ils ont des jolis sols, ils auront des bons lits. Enfin, bons lits, peut-être pas, ça se trouve, ils sont éclatés, les machins. Ils sont horribles, putain.
horrible, normal, médiocre, excellent, merveille, mural, excellent. Ah oui, non mais ok, ils ont step up un peu, donc faut qu'on... Ok. Attends. Il va y avoir un petit entraînement en Lille, hein. On n'a plus assez de bois. On est après faire l'amour. Générer tout. Ah, on peut peut-être me le virer celui-là de l'un. Ok, il est en galère sur les parcales, gros. On allait chasser de la... De la biche. On allait chasser de la biche. Du bouquetin. La dinde. T'as un niveau de risque de démence. Qu'est-ce qui se passe, ma poule? Pourquoi t'es... Éprouve une douleur... Bah merde. Ah ouais, l'intoxication. Ah putain. Ouais, je pense, celui où j'ai pas capté. Je fais sûrement le bosser de nuit et pas de chef. C'est chill. Ah ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, parce que je suppose que ça doit payer un peu plus que... Goule affamé. Ben, viens. Viens tuer quelque chose... Y'a pas un truc qui m'emmerde là sur la carte? Un rhino il va se faire rincer. Un warg le rince? Allez, une ânesse. Allez, viens. Viens, mon renardo. Viens attaquer ce pauvre arne. T'es obligé de me... Je suis le gros. Merci. Mange-le jusqu'à l'exploser, gros. Allez, casse-toi. Ok. La goule est rassasiée, tout va bien. Le warg. Je suis pas sûr que tu le 1v1, le warg. Mais il est full. Salut LRN. Bonsoir mon gros. Parce qu'il y a des démences. La nourriture jusqu'à rare. 24, ça augmente. Plus on avance dans la soirée, plus ça augmente. C'est incroyable. Caravan est arrivé à Brochetto. Commerce. Prenez mon or. Hein? Quoi? Oh. Ok, 7000 balles. Waouh, 7000 balles! Ils ont rien dans les poches, ces connards. Entraîneur en cuir, en tir. Et Doc? La neuro, de la viande. Ouais, mais il est à poil, l'autre. Là, je suppose que si je prends les ânes. Ah, si, ça peut m'augmenter. Si tu rinces un warg avec. Ah ouais? Vas-y, on le teste après. Et à cause de... Oh, je sais pas. Je l'ai attaqué. Casse commando, arme. Il y a un esclave à acheter si jamais... Quoi? Ah ouais? Lui prostitué. 47 ans. Magnifique et agile. Putain, le banger, gros! 7 en cuisine, elle va remplacer mes custos. Viens, pour la peine, putain, on part avec des ânes, on n'a plus rien à foutre, c'est que des femelles. Merde. Voilà. Esclave social, prends direct. Ouais, oui. Ça, gros. Ah, du coup, je passe ça quand même à 261 kilos. Je vends tout l'or. Qu'est-ce qu'il nous faudrait à la maison? Du bois. Ils vendent pas du bois, gros, je suis prêt à acheter du bois. Neuro-entraîneur en cuisine. Il en a deux pour 1000 balles. Tiens, je m'en fous en cuisine. Par contre, si je fais une bête de cuistot, gros. Quoique ça monte vite la cuisine, c'est pas worse, c'est vrai. Je la veux dans ma maison. Mon entreprise. Ma fille, la santé quand même avant d'acheter. C'est vrai, putain, on va lui regarder les chicots. Il a pas tort sur ça, le con. Ah, oh, ça va, c'est cool. Ça tourne. Qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter? Du shame fuel pour faire des générateurs? Mais non, en vrai, je m'en tabasse. Des médocs, on en a encore. On en a encore pas mal, je crois. Après, on revient avec trop. Ah bah non, je peux pas, je suis obligé de lui. Ou alors, je reviens avec de l'or.
Les chicots sont ok, oui. T'as bu les lames mal avec la goule, putain. Mais oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ah, mais Cora, non, t'as la même couleur que El Ronardo dans le chat, c'est horrible. Faut que je fasse quelque chose. Non, je sais pas, des bouquins. On m'a dit que c'était worse les bouquins en vrai. Un cœur, un implant costal, non, une colonne vertébrale bionique. Une jambe arco. Petite colonne vertébrale bionique en vrai. Non, des armes, j'avoue que des armes, c'est peut-être intéressant. Un incinérateur, bon. Un incinérateur ? Ferme l'autre, projette un jet de flamme, d'accord. Ferme roquette, fusil incendiaire, pistolet mitrailleur, ils sont éclatés ces armes. Grenade UM, non. Casque commando, ouais, en vrai. Tiens, tu vends pas des parkas ? Pas d'enfant. Le moison, il me se mettra de l'affaire. Laisse renforcer normal. Ah oh, putain. J'ai chié de mettre de la thune là-dedans pour y faire tout ça. Oh le sabre là, 4600 balles. Merci, non merci. Bon, pas un peu. Allez, bim. On part sur ça, mon ami, et on rentre à la maison. Carrément, on n'a pas du tout la même couleur. Ah, je vois, ouais, moi, sur mon live, enfin, sur mon retour, là, je vous vois tous les deux de la même couleur. Pour le Ronardo. Et rouge, je suis rose. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Oh, putain. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est un spawner qui fait pas de transport, enculé. Ah. Bourrez du bois, bourrez du bois. Oh, oui, oh, oui. Je vais chercher où le bois, ma poule, là. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Oui, encore, je vous en supplie. Il y a pas assez de jus, là. Ils sont dans le noir, ils vont péter à tout moment. Rien à ver. Ah, les regardeurs. Vêtements en lambeaux. Oh là, gros, c'est la misère, hein, c'est la misère le bois. Ah, t'es prêt à leur acheter, eux. On fout un peu, je pense. Ok. Mat. Supplie, Mat. Voilà, on respire un peu mieux. Ok. Alors, Lady, vous avez fait quoi en qualité? Normal. Bon. Bon. Hein? Vous avez fait des dingueries tout à l'heure? Ça va les entraîner. Ça gaspille du bois. Besoin d'enclos. Ah oui! Ah oui, c'est vrai que je me suis emmerdé avec ça maintenant. Ah oh, putain, ils sont emmerdés avec ça maintenant. J'ai quoi en. J'ai rien. Même l'acier, j'en ai pas tant que ça. Hein. Faire des clôtures en argent. Pas le choix. Non, bah en bois, en bois, en bois, en bois. On va clôturer là. Là, fais ta vie. Oh mon dieu. Oh, 50 de bois en vrai, ça va. Et un portail en bois. Ok. Qui est constructeur là en vrai? Alors, c'est vrai qu'on a une prostituée. Enfin, on a... oh là putain, les phrases. On a lu. Ex-prostituée. Il recommence sa vie de zéro avec nous. Voilà, tu dormiras ici, ma poule. Dans 18 degrés, c'est très très bien pour dormir. Ça fait chier. Là-dedans, tu vas du coup... Ah oui, nourrice, geôlier, oui, 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 oui. Tout ce qu'on voulait, putain de bordel de merde. Ah, t'es vrai, très incroyable. Hôte, évidemment... Vigny, oui, vous cassez-vous, à la suite, vous rendez tout le monde malade depuis des jours. Et ensuite, oh là, il y a même la ferme et tout, putain, c'est incroyable. De là. Par contre, tu vas te calmer.
Là, on est pas encore, bah. Ok, Spooner, je compte sur toi, mon petit poulet d'amour. Attends, je compte sur toi, mais je compte aussi des gens pour me couper des arbres. Ok, qui est Lu? Qui est Lu? Qui est le petit Lu? Est-ce que tu te bagarres, Lu? Lu est une femme de 47 ans. Allez, ça sera... Entière, c'est pas ouf. Zéro en mêlée, par contre, c'est catastrophique. D'accord. Petit... Faut rien dire avec vous, hein, c'est terrible. Allez, hop, c'est le 4. C'est encore dans le coin, ma poule. Bienvenue à toi dans cet enfer. Tu crèveras comme tout le monde. Et puis, tu vas quand même venir équiper au moins ce petit couteau médiocre. Et non, alors attends. M'équiper cet arbre court et m'équiper ce couteau médiocre. Un jour, on vous fera des vrais armes. Renardo, il est rien. Alors, Renardo, on va te bourrer au fond avec le bébé. Voilà. Je ne perds pas dans mes trucs. La nourriture se fait rare. Ouais. Pas complètement faux, mais j'ai L4 qui est en train de dormir. J'ai L4 qui nettoie, qui va dormir, d'accord. Il va pas dormir, ma poule. Il était quasiment... Il ne dort jamais, apparemment. Attention, vous les laissez... c'est qui les couples? Uniedox, hein. Personne d'autre. Ouais, non, juste Uniedox. Il nous fasse encore des bébés par milliers. Jusqu'à 5 heures. Voilà. Hop hop hop, le doc qui veut dormir une heure de plus. Avec nous. Il est en attaque en machin. Ok. Oh non. Un colon actif qui se la touche. Ok, uni au corps à corps en plus. On n'est pas très loin. Le warg, c'est comme une sacrée merde. Oh là là. 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 Oh, putain de merde. Akura pour 20 E. Waouh, waouh. Je sais pas ce qui se passe dans le chat, je ne vous lis plus. Nous venons de perdre Uni en direct. Oh, sainte merde de Dieu. Ah, puis j'ai rien vu faire, gros. Tu recharges, mon fou. Je peux pas. Ah, t'étais nul parce qu'ils l'ont bien rincé quand même. Mais bon, tu peux te barrer, Sarah. Dire que tu devais le faire avec la goule. Ah ouais. Oh, Yunis, tu me l'avais rappelé, bah tu serais pas morte. J'espère que t'es fier de toi. Nulos. Couleur, vite. Viens me faire un sarcophage incroyable pour Yunis. On te faut congèle, ma poule, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui branle? Oh, j'ai cru que tu l'as mangé. Bah, remballe et tout. Enfant qui perd sa mère. Rache non plus de lait pour que tu uses. Il aurait bouffé des petits plats, il y en a 36 des petits plats. Oh, écoute. Non, mais c'est trop. Je veux pencher son cœur, mais t'as l'autre qui est dégénéré. Doc, explorateur de corps, t'es totalement guéri. Bah, écoute, c'est pas bien, victime. Ah, dommage, bon. Vous m'avez pris une île où elle traîne encore dans la boue, là. Renardo l'a bouffé? Non, elle est où, Uni, en vrai? Eh, sans rigoler, vous en avez fait quoi? Elle est enterrée. Elle a été enterrée, putain. Salut, Imaimentis. Pour ton follow, merci, mon gros. Elle est là, cette... Elle est là. Elle est là, cette patate. Oh. C'est pas là-dedans, là, vous mettez pas les colons là-dedans, c'est dégueulasse, là. On mélange pas les torchons et les serviettes chez nous. Sarah. Voilà. On se la fout au congèle et puis on se la récupère à l'occasion. Salut, bienvenue, mon gros. Spooner inactif. Pourquoi Spooner inactif? On va lui casser la gueule à Spooner. Ouais, mais tu peux pas aller chercher du bois, Spooner, vraiment? Non, mais si, gros, tu vas être... Tu vas être forestier, toi. Je vais virer Sarah du ménage, Spooner, enfin du ménage. Il se la touche un peu, Spooner, depuis le début. Vas-y, gros, attends, on a du taf pour toi. On devait faire une cuisine ou... Des saloperies par là, là. Viens donc miner, mon ami. Quoi, Gactus?
Tu dis, je vais te venger. Non, Doc, tu te calmes. Tout va bien, tu dois t'occuper de ton enfant. Cactus. Oh, l'enfer, putain. Mon gosse est cactus, gros. La vie est finie. La vie est terminado. Ronardo. Ronardo, tu dois te faire un 1v1 contre un War. Putain, je suis deg. Est-ce que tu te fais un... Ouais, un couillard, tu le tombes quand même. Douce. Le Rhino, je suis pas sûr que tu le tombes, par contre. Oh, Dox, qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Elle va revenir. Oh, mon ami, ma femme, il prend un moins 30, mais va te faire foutre, gros. Putain. Quel enfer. Ça va, ça aurait pu être le même truc. Vous avez enfermé les condamnes, là? Tu dis, elle faisait quoi? Tu dis, elle faisait la recherche. Non, putain, L4, elle est con comme une porte aussi. Ils sont tous cons comme des portes. Hein. Spooner, c'est le plus haut, il a 3, gros. 1. Un Dox, il a 2 doigts de pas savoir lire. Putain, merde, recharge, non. Rhino, moins sûr. Ouais, Rhino, c'est moins sûr. Imagine. La merde, il y a un arbre, tu peux. Vous savez rien voir du tout. Yuni est partie, mais elle va revenir. On va trouver un petit sérum. Vous inquiétez pas. L4, au lieu de faire son nom de bière, viens nous recharger un peu de bois, je t'en supplie. Pourquoi Spooner il a le droit de craquer? Il éprouve une douleur aiguë. Ah ouais, t'es en train de vomir tes tripes? Ah ouais, merde. Grosse faim, ouais, confortable. 4. L4, qu'est-ce qu'elle fait? Visite les tombes. Ah oh, ça va, tu l'as revu la semaine dernière, Yuni. Tu l'as vu hier. On a plus de bois. Si. Moi, je peux pas demander à L4 de... Désolé, gros. Hein. L4, quand elle se... T'as rien fait, gros. Mais ils se foutent de ma gueule. Tiens, oh, ils sont tous victimes de trucs. 6-4 à 5-2, ça avance. T'as pas impressionné pour la recherche. Je crois pas. Si. Ah, si, on en a un. On peut le foutre en artisanat, mais écoute, on va le foutre à la recherche. C'est une très bonne nouvelle. Et lui est bon en artisanat. Il est toxico, mais on n'a pas de drogue, donc il ira se faire foutre. Faut que ça passe, quoi. Vas-y, Spooner, il mini dégueule. Qu'est-ce qu'on aime voir? Il n'y a plus rien à bouffer? Il n'y a plus rien à bouffer. Non, ça fera jamais de transport. Merci, Spooner. Ah, tu m'as baisé parce que je me... Et pourquoi il me met des choses et il n'y a rien qui se passe, là? J'ai vraiment plus assez de... On va mettre un troisième générateur? 74 de bois. Il marche pas. Y'a plus de gaz? En train de dégueuler ce coup-là, c'est pas grave. Des tunnels de avancer, de mettre le bâton dans les roues. Ah bah non. Mort et c'est la mort. Ok. L'écurie enragée ne fera jamais de transport, c'est vrai. Abandonne le bébé. Il est où ce con? Ronardo. Pense sur Dox. Dox, tu te fais chasser par un écureuil. Ok, Dox. C'est pas un écureuil qui te fait peur. Oh. Des saloperies dans mon dos, là, je suis pas au courant. Le paga mourrait bien, le bouquetin meurt bien. Pas un renard pour le plaisir. Bon. Oh. Mais attends, il y avait d'autres écureuils, j'ai l'impression. Oui. Les renardos s'en occupaient. C'est bon, mon gros, tu peux te barrer. Ou les manger, faire ce que tu veux. Oui, d'ailleurs, mange les écureuils. Je vais te les ramener. Ok, on est très bien. Nick essaye de se vendre au maximum. Merde. Sur des ténèbres pour Sarah, ça c'est plus chiant.
Ok, attends, Sarah. On va faire Dox d'abord. Ok, ça a marché. Sarah, viens ma poule. Oh merde. Impossible de draguer Sarah, mais je veux pas que tu la... Non, mais je veux pas que tu la dragues, je veux que tu la... Calme. Bon, c'est passé une dinguerie là, non? Rien fait du tout. Ok. Pas bien grave. Les ânes sont là? Où sont nos ânes? Personne s'occupe de nos ânes, on est bien d'accord. J'ai plus de dresseur. C'est une autre dresseuse. La dresseuse. V3. Matt, vas-y. Histoire de ramener les trucs, quoi. Vision des ténèbres pour Sarah. Je sais, mais j'arrive pas à la calmer. Elle me dit que non. Que le 4, elle peut pas la calmer. Calme Sarah. Oui, s'il te plaît. Ok. Hop, on s'occupe des prisonniers. 5 de... Oh putain, c'est encore long. Regarde, je dirais cher. Sache-le. Merci, tu diras quoi? Bon, ça, mais oui, je vais trouver un. Et confiance. On a plus qu'une chambre de dispo, par contre. On a Spooner qui se la touche un peu, en vrai, là. Il veut pas... Il veut pas trop miner, hein. Il fait la construction avant, mais ouais, il n'y a pas de construction à faire, de toute façon. Pour ce qui vient bouffer, là. Il manque mon cuistot. Tel 4, ouais. Tel d'or. J'ai l'impression qu'on est en galère de plat, là, en fait. Magnifique et agile. Cette chance de trouver ça. Cette chance d'avoir eu de l'or, de pouvoir aller le revendre, de pouvoir trouver un esclave, gros. C'était incroyable. On s'est mis trop bien. Et ça, c'est cool. Un peu de composants. Vas-y, L4, hein. Prends ton temps, ma poule. Hein. Elle a tout fait, et là, elle part. Ouais, elle a prisonnier avec des trucs crus. Cool. Juste le colère de sa chambre pour Dox. Où tu vas nourrir l'autre avec ça? Oh. Juste viens, je t'en supplie. Cool. Bouge la viande crue. Je vais pas prendre la viande que t'as là, ma poule. Ah, tu fais les plats pour bébé avant. Attends, vas-y, 20, c'est bon. Alors, attends de bouffer 2-3 jours. Fais les plats maintenant, ma poule, je t'en supplie. Divégation aliénée, putain, ils sont tous en train de péter un câble, du coup. Attends. Ok, c'est une machine, Elgat. C'est quoi, je te subgift si jamais il me ressuscite. Pour avoir de l'essence et faire un générateur à fuel, ça peut être intéressant aussi, c'est vrai. Mais pareil, c'est ouais, dans le même problème que tout à l'heure en fait. C'est que j'ai pas de dresseur. J'ai pas de dresseur. On touche à 2, 3 et... Le boomalope c'est combien pour le dresser? Niveau 5, donc ouais. Qu'est-ce qui vient de ce putain de passer? Pourquoi t'es en détente comme ça, le 4? Parce que je t'ai forcé sur le truc, ok. Attends, mais c'est la gigamerde, là. On se rend pas compte, mais c'est la gigamerde, là. Les ours sont fins, en fait, c'est pour ça? C'est bon? Ah, oh, c'est bon. Ok. Ok, on a juste tué les adultes. Pas bien grave. Leonardo, il va s'en remettre. Oui, comme d'habitude. Je comprends ce qui s'est passé. La nourriture, sûrement. Ok, Dox qui nettoie absolument. Ça me va. Chè! Ça sent la fin de saison, mais pas du tout. Pas du tout. On est full bouffe, on est full machin. Il manque juste à recruter ces deux gars là, ça va le faire petit à petit.
Et après, ça va rouler tout seul. On va récupérer une unité sur un sérum. Ça chasse comme jamais. On est hyper bien. On met un peu de temps, mais on est hyper bien. Il nous manque un dresseur, en vrai. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est dommage. On n'a jamais pu dresser les ours. Ça, c'est un peu con. Peut-être qu'il fait ça, ouais. Laisse faire. On a un peu de plat d'avance. Donc, je la force pas. Elle peut aller dormir et tout. Elle nourrit le bébé. Cuny s'est mis en grève. Jaël, ça se met pas. Pas grave. Moins un dehors. D'ailleurs, on est trop bien. Ok, Sarah qui est venu remplacer Spooner parce que Spooner, ça la touche un peu, j'avoue. Oui, peur vous bouffer des places, ça peut aider un peu à ce qu'il soit de meilleure humeur. Alcat, elle court porte éruption solaire. On est baisé. Rien à faire. C'est le bois aussi. On a un point galère de bois. On va continuer de couper au fur et à mesure. D'ailleurs, tu fais quoi, gros? Mine du granit. Ok, ouais, si c'est bon, il est là. Besoin d'aide. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et ça vaut le coup quand même. Bon escroc, les ours ont perdu leur dressage, sont revenus des bêtes sauvages. Elles étaient à l'intérieur, sans nourriture. Ah, ok. Du coup, elles sont attaquées pour les trucs, ok. Est-ce que ça vaut le coup de se séparer d'un gars? Je suis pas sûr, hein. on est un peu trop en galère là. Ça, c'est des missions faciles en vrai pour gagner des bons. La bonne entente et tout, mais. Oh, c'est quoi ça? Du pognon? Oh là là, on se met bien, on se met très très bien. Bah, tu peux me recharger celui-là, gros, s'il te plaît. Et là, ça revient en même temps, c'est parfait. L4 toujours sur le bébé. Personne à la recherche, par contre, du coup, ça avance plus. Une heure, non, gros. Vraiment qu'on les recrute. Eux. Ok, ça va le faire. Je les mange. Les ours, ouais, tu t'es bien démerdé quand même. Ils t'ont tombé, hein, deux ours. On a encore un peu de petits plats, de la bouffe pour bébé. Il continue de chasser derrière. Peut-être faire je remette Spooner par contre en mode. Je peux pas le bloquer à la cuisine. Je vais mettre Sarah plutôt à une passion. Je vais mettre un niveau autorisé. Ou travailleur. Ouais, non, on va mettre juste L4. Je vais mettre juste L4 sur les plats. Juste pour l'instant. Ça peut devenir... Non, on va pas nous intoxiquer le bébé. Spooner fait un peu de... Sarah, je veux dire. Et comme ça, Sarah fait la découpe de la viande. Ouais, elle fait la nourriture pour le bébé, là, je crois. Nouvelle recrue, Lucia. Oh, oui. Ok, ça démarre. On est bon. Lucia, je t'en prie. Prends-toi une chambre. Prends-toi une chambre, Lucia. Qui veut être Lucia? Lucia est un homme, Lucia est une femme? Je ne sais plus, attendez. Yo, Lucia est un homme. Lucia est un homme. Moi, Ludo. Allez, hop. Je veux. Phase de vitamine, ok. Phase de vitamine, tu seras la deuxième recrue. Tu seras une femme. On s'en branle. Ok, cool. Alors, toi, t'étais bon en quoi, Ludo? Est-ce qu'on va arriver à remonter la pente? Outre la... Merde. Outre la... Recherche. Il est ultra bon en machin, fait ultra bon. Il y a des points, mais pour l'instant, c'est vraiment la recherche. Il me faut la géothermie. Une fois qu'on a la géothermie, bam, bam, bam. Ok, il se met dessus direct, ça me va. Je pense que ça pote va rejoindre direct. Là, on s'est fait masse pognon, c'est un plaisir... incroyable. On peut peut-être me ramener ça. Ah non, peut-être pour Ronardo. Bon, ça va. Ok, ça se passe plutôt bien. Le relais est bien fait. On remonte sur ça, ça va être cool.
Ça va faire du bien. Ah, c'est ton premier. Ok, elle a été brisée, donc la prochaine, elle est bonne. Par contre, j'ai pas de maison pour toi. Je vais juste finir ça. J'ai pas de maison, j'ai pas de chambre. Ok. On part sur quoi? Bloc chambre, là, de ce côté-là? Ici, on se dit que ça sera notre gros bloc chambre. On montera peut-être de 2 ou 3 encore en hauteur. Là, salle de vie, cuisine, hosto, prison. On développe un peu comme ça, tu vois. Et on monte là-haut. Je pense que ça me paraît pas mal. Ou alors... J'ai de la place, hein, ouais. Peut-être loupa ça. Fatigué. Me fatiguer, ou... On va continuer de monter, en vrai. Deux chambres, ça fera une chambre pour Cactus aussi quand tu seras. Quand tu seras beau et autonome. T'en sors mon Docs ou pas? J'ai l'impression qu'on n'avance pas, hein, mon petit pépère. Ah oui, mais t'as dû refaire un de chaque. Ah, les parkas, hein, les parkas galèrent, mon Docs. Hein. On va te rouvrir ça, comme ça tu pourras faire des petits chapeaux si t'as envie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Ah, mais elles sont éclatées leur veste, ok. Shirt, il y en a un rab, et après c'est tout du. Ok. Quête active de planque d'objets de valeur. Un artefact. Putain, j'en veux pas, gros, je vais pas prendre des risques pour des artefacts. Une vraie info, bah, escroc. Enfin, c'est incroyable. La deuxième couleur, t'as mis 4 de large. Tu as l'œil, tu as l'œil. Tu as l'œil. Oh, c'est quoi? Nouvelle recrue, H. Ok. Alors H, tu vas peut-être péter un câble à un petit moment, ma poule. Donc ça, c'est phase de vitamine, du coup. J'aurais bien mis un peu de soutien en nourrice et geôlier, mais bon, écoute. On va faire avec. Chasseur, oui. Mais j'ai viré tout le monde de chasse. Spooner, non. L4, non. Ludo, je sais pas. Non. Et H, oui. Virer une arme. Ah, tu serais plutôt. Ok. Je pourrais enlever. Arrêtez avec votre art là. Bam. Bam. Ah, pas mal. Un bon artisan. Pousser phase de vitamine, on a dit. Bing. Ça rentre. Phase 2. Phrase de fou, mais réelle. Et tu as plus de bon médecin. Oh, faut toujours que tu gâches la soirée, Ronin. Et ce genre de mec à dire c'est trop tard, allez, on, chacun rentre chez eux. Ah, j'ai plus de bon médecin. Putain. On se démerdera. On se démerdera, on se démerdera. Oh mon dieu. Il va creuser tout. Prise de colère pour Docs. Ouais, je comprends. Gros. Ah oui, il te faut une arme, phase de vitamine. Phase de vitamine, il te faut une arme. Oh, j'ai rien de ouf, gros. Je vais équiper un arc médiocre. Et une épée anglaise normale en arme secondaire. Ok. Et de ce côté-là, par contre, laissez les nulos entre eux. Et Ludo, toi, t'es vraiment rincé. Ouais, on va juste mettre une petite, un petit couteau médiocre dans la poche. Mais on t'emmerde. Péter une porte, lui. Je veux pas que tu le dragues, je veux que tu le calmes, ma poule. Et toi, non? Des fois ça marche pas, des fois ça marche. Je veux, la chambre de... je veux pas de la nettoyer, je veux que tu le. L4. Elle est fera quête. Phase 2, ouais, ça tombe sous l'eau. Oh, mais c'est quoi d'attendre? Tiri-toum. On a pas eu trop de musique de nouvelle histoire. Et ça, cet effet, c'est cool par contre. Ok, la bouffe, ça revient. En phase 2. Ok, ok, on commence à être pas trop trop mal. Les champs, c'est un petit, c'est un peu petit. Les ânes, ils vont mourir. On s'en fout, ouais.
On les bouffera. T'as bouffé quoi, Matt, là? Ah oui, mais toi, t'es un homme porc, tu bouffes ce que tu veux. Mais qui n'a pas l'arme d'estance? Passe 2? Si, gros, tu passes en main. Fais pas chier. Mais t'as un fusil à pompe déjà dans les poches, toi? Eh, pardon, madame. Prépare auto. Pourquoi ça se barre aussi, ça, j'avoue? Y'a pas de lumière chez Dox. Non. Et puis niveau. Il nous emmerde. J'en mets aussi dans le couloir, mais bon, ça devrait aller. Mais gros, le filon, qu'est-ce que. Que Roman, Sarah. Voilà, Sarah qui pisse dans les chambres, c'est moins cool. Ah, mais elle était déjà dessus. Okay. Ah, ouais, ça a marché, parfait. On a du mal à tenir la chaleur là, par contre. Ça doit faire vraiment froid dehors, non? Hein? Ce bruit de chat. Ah, mais c'est le bébé. Ah, c'est bien. Il est bête ce gosse. Peut tuer des ânes. Ou domptez-en un. Ah, ça marche. Faut choper un mâle. Faut que je fasse du foin. Nouveaux amoureux. Ah, Dox. Dox n'a pas perdu de temps en tout cas. A fait la cour à Spooner en comparant Spooner à une quête mi-brillante. Spooner subjugué accepte de devenir l'amoureuse de Dox. Dox il a toujours des punchlines gros pour la Galiana. Incroyable. Bah voilà. Une histoire bien vite résolue. Une petite chambre pour phase 2. Vitamine. Et on est très très bien. Tout le monde est heureux. Par contre là on n'est pas très très bien parce qu'on commence à y voir que dalle. Alors attends. On va quand même se bouger le fion. Mettre de la lumière. Ah, c'est mon action heureux sans moi. Ouais, gros, il y a trop la dalle, Dox. Il est resté une semaine sans une nuit, il a fait Nick. Nick. Viens, l'armoire à glace, là, Spooner. Viens voir. Sarah qui plante sous la pluie. Déterminé comme jamais. Efficace nos Spooner. Je crois que j'ai un mec au traitement de la pierre aussi. Hein. Sur le Discord, c'est en direct. Les Spooner déjà dessus, ça me plaît. Qu'est-ce qu'il y a en face de vitamine? Pourquoi t'es énervé? Pourquoi t'es en gros médoc toi déjà? Merde. Tabasse. Rampé, mon ami Yumi est morte. Petite fin. Comment ça mon ami Yumi? T'étais enfermé dans une cage il y a 5 minutes toi. Quel menteur celui-là. Allez Ludo, on envoie la sauce mon gros parce que là c'est un peu mort du cul. En même temps t'as rien pour t'aider. Ni la température. On peut peut-être te mettre... Oui tiens. Allez. Eh, ça mange pas de pain. Ça mange que du bois. Aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Viens, j'ai du fric. Amène-moi de la... je sais pas. Du bois. Amène-moi des esclaves. J'ai mis le mode esclave, j'ai pas mis le mode esclave. Quelle heure il est là? Ça fait un mois que j'ai parlé l'heure. 2h06 qu'on a en live. 11h-10. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Oh, on n'aura pas avancé tant que ça, hein. En termes de construction, on a fait quoi? Ouais, un frigo? Deux chambres? Ah, incroyable, incroyable. Hein. L4, on peut venir marchander.
Ok. Ok, ok, ok. Composant, je suis bien. Je voudrais quoi en vrai? Les bouquins? On m'a dit que c'était grave bien les bouquins. A plus, j'ai des bisous. Deck de boxe en fourrure. Ouais. 700 balles. On a du pognon. Là, je te vends un âne. Je te vends quoi d'autre? Ça, ça. Ça, 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 ça. Cœur dromadaire, allez, le cœur dromadaire. Allez, hop. Les bouquins, non. Je prends 200 balles, c'est pas ouf, mais écoute. On a acheté pas mal de bouquins. J'espère que ça leur portera du bonheur. Je pense que tu seras en son absence. Lisser les murs, ce qui prend le plus de temps. Mais tout le monde a une chambre, on est d'accord. Hein ouais, non. Oh, ouais, ok, ok. C'est pas l'urgent, hein. C'est pas urgent, urgent. Ok. Là, le frigo me paraît un chouïa petit, là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse tirer jusque là, le frigo. C'est pas mal, après on mettra des stockages, des machins, des bordels. Il peut-être un peu plus grand avec un deuxième truc par la suite, mais faut que la géothermie s'avance. Même pas la moitié. Une porte là. J'ai même limite envie de l'agrandir en vrai. 1, 2, 3, ouais, 2, 1. Comme ça. Ok. Voilà, on va continuer comme ça. Prod, on va se mettre quoi du coup? Je vais préparer tout en électrique, même si ça sera pas en électrique évidemment. Peut-être là plutôt. Là, je mettrai la cuisine. Je mettrai la boucherie en dessous. On se séparera bien les deux. On va voir comme ça déjà ce que ça donne. Un peu mieux d'aplanir. Au lieu de construire le frigo des murs. Ah, là, ça met un peu de temps à plaignir en vrai. Là le bois ça commence à rentrer hein, maintenant qu'ils ont le temps d'aller en chercher. On n'est plus trop en galère. À plaignir, tu vois, ils mettent un temps fou en vrai à chaque truc. T'étais aussi long quoi. Cadeau. Nous donne un arc long, pourquoi pas. On va le ranger. Merci à vous les potes d'être passés. Meubles et chambres, ouais, on va faire après, mais attends. Ouais, mec, ils ont un endroit correct là pour bouffer. Mais oui, on va leur mettre la totale après, la petite bio et tout. Je pense pas avoir assez de bois pour faire le malin ce point-là, ouais, non. Ah, le mode don't block the door, en vrai, il sert bien, hein. Virez-moi ça. Il y a de la place. Expo annuel, c'est cool ça. Elle est pas très loin. On va envoyer quelqu'un vite fait. Envoyer face de vitamine, tiens. Non. Envoyez Matt. On va envoyer Matt. Matt avec Adodan. Adodan, vas-y, go. Oui, bah il vous fera des baies. Mais on l'aime. J'aimerais bien qu'il nous donne une petite pile ou un petit truc là, bien sympa. Il me fait chier, gros, la vie là-dedans. On va d'ailleurs se faire un petit. Quel ça? On va vraiment se le faire ce coup-ci parce que
Toujours un connard d'ours ou Renardo qui est là-dedans. Me coucher, bonne nuit à tous. Salut Cora, bonne nuit. De toute façon, on va pas tarder à arrêter là. 5 minutes tranquillou. Faut tenir un peu le frigo. Ah oui, parce que c'est bon. Vous pouvez d'ailleurs démolir ça. On peut peut-être même se mettre un petit sol en. Petite dalle en béton. On leur fait la dalle en béton. On est déjà bien. On peut même faire des murs en acier en vrai. On a le mode. Ne brûle pas. Le métal ne brûle pas. On le dira pas, on le dira pas. Allez, on le dira pas. Non, pas consumé, merde. Ah, je me transporte. Non, attends. Nouveaux amoureux. Putain, c'est Dox encore? Non, c'est Face de Vitamine qui a charmé Ludo en suggérant de bonnes choses au sujet de ses propres vêtements. Ludo, subjugué, accepte de devenir l'amoureux de Face de Vitamine. Incroyable, des couples qui se forment, des chambres en plus. Ça, c'est, la... ça, c'est très très bien ça. C'est qu'ils sont heureux, tu vois. Ils se laissent aller. Tentent de nouvelles expériences. C'est beau. Ah, c'est beau, Face de Vitamine. Unique rêve dans ta pourriture. Ah, on l'a rechargé instant. Pardon, je voudrais agrandir. Voilà. Pas... Faudra peut-être mettre un peu le jus quand même. Ça. Oh, il y a une rupture là. Ah non, il y a eu un truc. Donc ça proposait un engagement à vie à Spooner Splin accepté. Bah attends, mais j'ai pas vu ça moi. Oui, Dox. Dex et Spooner ont eu un débat animé sur leur opinion concernant les événements. Spooner inspire profondément pour se calmer. Ah oui, il était full vénère, Dex a fait « Hey, on se marie ?» Allez, vas-y, redescends, on se marie, gros. Il est trop bon. Il est bon, ce Dex. N'oublie pas que tu as le mode pour désinstaller tout ce que tu veux. Donc tu peux juste déplacer les portes et les murs. Wouh ! Bon, c'est pas bien grave, on n'est pas là. Je peux pas me le faire, oui. Okay. Oh, ça aurait pas mal comme ça. Moins 9, ça tient pour l'instant avec 1, tant qu'on n'a pas de grosse chaleur. Faut qu'ils ont trajet mon poulet. Ok, on a un frigo qui tient à peu près la route. Ça, c'est déjà une putain de bonne nouvelle. Pardon. Très bonne nouvelle. On va mettre des cuisines électriques pour plus tard. Alors, attends. Ça rentre là. Ça rentrerait comme ça. Et là, ça rentrerait pas. Ce serait très collé. Des frigos, j'ai un trou de mémoire. Ouais, ouais, on a le mode des petits frigos aussi. Mais c'est pour ça, après, une fois qu'on aura installé la cuisine et tout, j'installerai la salle à manger derrière, bien collée. Face de Vitamine est enceinte. Ouais, non, mais attends, mais il va falloir vous détendre. Hein. Ludo, Face de Vitamine, gros, ils ont pas le temps. Ah, c'est la saison des bébés. Attends, je vais demander un petit berceau direct avant d'oublier, sinon je vais me faire engueuler. On va falloir qu'on leur fasse une salle à bébé, parce que si Dox il peut remettre en clock Spooner. Ouais. Ouais.
Ouais. C'est fertile cette colonie de ouf. Non, j'ai pas de quoi leur mettre des petits fauteuils là. Je commence déjà à m'emballer. Non, non, on va leur mettre des petites chaises en bois, on changera plus tard. On met deux spots, pareil, c'est pas franchement utile, mais c'est pas prévu pour l'avenir, pareil, pas besoin de revenir. Ultra glauque par contre, hein, vous travaillez vraiment. Temps de travail. Ah, la caisse à outils fait pas d'effet. Faire des plans de travail en acier quand même, on n'est pas des animaux. Alors attends. Hiver. Le travail. Acier. On aurait pu les faire en. Ça va sans argent sous la clôture ou je vois mal? Non, non, ça doit être une. La faction. Hôte a émis le plus bec aux larmes avec son spectacle éblouissant. Et puis lui, voilà, votre récompense. What? Argent, petit lance. T'inquiète pas, gros. Là, t'as gagné 1000 expériences dans la compétence sociabilité. Ouais, je savais que je l'envoyais pour ça, que j'aurais dû envoyer le 4, mais je voulais pas envoyer le 4 pour ça. Mais il nous ramène quand même 1200 balles, le petit matou, là. Réussite d'insulte ciblée pour Dox. De clochard, ma femme Nickel est morte. Gros, il dit ça, l'autre est déjà en train de faire des dingueries tous les soirs avec une autre au lit. Il nous fait chier. Bioferrite égale acier. Bioferrite égale acier, j'ai pas encore trop percuté la bioferrite. Est-ce que ça. Est-ce que ça... Non, c'est un fragment, ça. On n'avait pas de la bioferrite? Si, là. Bioferrite. Substance fibreuse exotique semblable à du métal et présentant à la fois des propriétés organiques et métalliques. La bioferrite est produite par des mécaniques microscopiques. Dans du processus de transformation de matériaux organiques. Peut-être chaotique si le comportement des mécaniques est désordonné. Et en faire à lire. C'est connu pour interagir. Ouais. C'est quoi qui m'a fait une chose en bois. Ah, merci gros. Ah, j'ai jamais changé leur lit, eux. On sait pas si j'aurais fait des. Ouais, ils sont toujours dans des lits dégueulasses. Ouais, ouais. Bien évidemment, bien évidemment. Comme ça. Et un vrai goût, hein, on va commencer à faire ça. Là, je pense pas que ça bouge trop toute cette partie. Ah non, laisse tomber, laisse tomber. Là, je peux pas essayer de la terre. On changera les sols peut-être plus tard, on verra comment se passe cette saison. Non. Ok. Et là, non, non, ouais, c'est. Attends, si, c'est un salon d'argent. Que ça fasse beaucoup ce genre d'argent. Clôture en bois et dessous, dessous, on veut voir dessous. Ne me dis pas si je mets là. Clôture en bois, pont en acier. C'est vrai qu'on dirait vraiment de l'argent. Ok. J'ai terminé ça. J'ai plus d'acier. Ah, je me navette. Oh là là là. Allez, c'est reparti, mon kiki. Il y a du gonze. Alors, lui, il est en train de cramer, ça démarre mal quand même. Il est mort dans 5 heures. C'est un homme de 45 ans. Masochiste. Il vient d'informer les 5 campinages, 3 en agriculture, artisanat social, je m'en fous un peu. Lips. Nana, 21 ans. 6-5. Pressé, misogyne. Récupère ça. Harry Wolf. Une femme de 69 ans, attention. Transhumanisme, traînard, et douillette. Oh là là, ça s'abandonne ça. Oh, quoi, 12 ans d'animaux, gros. On prend la grand-mère pour s'occuper des bêtes un peu. Et des champs. On peut voir à quel point t'as éclaté. Elle est frêle. Faire généraliser l'intensité musculaire et osseuse. Y'a moyen d'y réparer ça? Non, dans 15 heures. J'ai plus de bons médecins. J'ai que Doc en médecin. Médecine nulle. Médecine nulle. Médecine nulle, n'en fais pas. Bon. Bah écoute. Ouais, une heure bien capturée, elle devienne que pour un. Ah, Ronardo qui se jette sur les cadavres, incroyable. La porte au milieu de la pièce me stresse, pardon Ronardo, je m'en occupe. Ah, on est sur le dossier.
On prend juste pas pourquoi ils me finissent pas ça. C'est peut-être plus facile. Ah non, c'est de la bioférite. C'est pour ça qu'on bat de bioférite depuis tout à l'heure. Bah oui. Oh, bioférite, non, non. Ok. Alors, calmez-vous. Et les deux ont été capturés. Je me suis toujours pas occupé de la celle-là non plus. Bon, on verra plus tard, c'est en vrai. Attends, lui on va lui mettre ses murs avant qu'il nous fasse une syncope, le renard là. Joueur de 1, je suis pas très fan, mais écoute. Et vu que ça va. Bah merde. Vu que ça va tout passer en. En carrelage machin plus tard, on va se permettre de tout mettre comme ça. Ouais, je vais faire deux de large là vraiment. Vas-y. Large. Ouais. Porte là en vrai. Mais c'est. Mode de chasseur d'hommes. Oh, j'allais dire, je m'attends. Oh là là, putain. Ils sont trois. Ça, c'est gérable, c'est gérable. Je vais les tanker, gros. Dieu tout puissant, merci. Le bébé au combat tout le temps, gros. Et leur plus jeune âge. Allez, bon boulot Rolardo, on te félicite. Non, pas se courir. Allez, elle était belle. Bon écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 23h passé. On a bien avancé. La cuisine sera comme ça. Je pense que je mettrai un petit frigo mural, ou deux ou trois d'ailleurs. Peut-être deux, ici. La grande salle à manger. Salle à manger, salle de jeu. Salle à manger, salle de jeu. Sûrement un couloir par ici pour rejoindre. Peut-être un couloir par en haut. Et là, ouais, salle de jeu ici. Et là, on peut se faire une giga partie. Une giga partie atelier, tu vois. Atelier stockage. Et plus tard, après, on pop des trucs recherche, tâche de pierre, carrière, je ne sais quelle connerie. On a la carrière ? On a la carrière, on a la carrière, on est tellement bien, gros. Tellement bien. Ok. Les tags, j'avais pas vu. Aucune anomalie ce soir. Non, non, on a été plutôt tranquille, on a eu 7 saloperies. Mais parce que je pense qu'on manque de mecs à la recherche. Là, je l'ai vraiment pas priorisé. Enfin, il fait d'abord la recherche de la géothermie, après peut-être qu'on... Ah, oh, ça avance pas en plus. Hein. Ça avance pas, mon Ludo. On est bien en termes de bouffe, par contre, c'est bien remonté, mais on a déjà plus de viande. Je vais renvoyer la chasse pour la prochaine fois, sinon je vais oublier. Qu'est-ce qu'on va chasser? De l'âne, du bouquetin, de la dinde. Oh, pas de renard, malheureusement. Oh, après, au pire, on ira chasser à la main avec le buffalo. On verra. Ok. Plutôt honnête. Si on récupère les deux mecs là, on a les deux chambres qui sont prêtes. Dont une qui est déjà libre ici. Mais bon, Doc, il change tellement d'avis comme de chemise que j'ai peur que. Oh la merde. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait pas, vous pensez, là? Enfin, déjà, quoi, je veux dire. Pourquoi elle a besoin de bordage sur la gueule? Les griffures, non, mais c'est pas ça que je lui me poule. Tirade de quelqu'un pour partir. Ah oui, vas-y, c'est pas con. Elle est géniale. Elle est pas dégueu, mais elle est un peu vieillotte, quoi. Et elle est frêle du torse. Fallait pas tuer ma femme. Comment ça? Qu'est-ce que t'es en train de foutre, Dox? Il est en train de dormir avec Spooner. Le mec, il vient de dire ça. Le mec me dit ça sur ses grands chevaux, gros. Il est là. Pendant que quelqu'un vient s'occuper de son propre bébé parce que monsieur est trop fatigué. Non, mais il se fout de notre gueule, lui. Jetez-lui des cailloux, putain, je vous en supplie. Oh merde. J'ai jamais pu être fait, ça? Mais si, vous êtes juste des gros flemmards, bordel. Bande de cons. Et pas tuer ma femme, bah tiens, voilà. Qui c'est qu'on raid alors, les potes? Vous voulez qu'on raide qui?